Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc ici c'est Yoko pour la 24e partie sur Pokémon Rouge Feu. On était retourné donc sur l'île 5, l'île 5. parce qu'on venait de récupérer le second mot de passe. Donc j'ai fait quelques allers-retours avec la femme là, qui demandait à chaque fois de voir un Pokémon. Le seul truc d'original qu'elle m'a filé, c'est un super bonbon. Mais je crois que j'ai dû faire 3 Pokémon ou 4 Pokémon et maintenant elle me demande un l'énergie que je n'ai évidemment pas. Donc ben ça attendra quoi. Je me suis pas renseigné sur le net pour voir si au final à la fin elle offrait quelque chose d'intéressant ou si c'était juste pour faire le plein de Luxe Ball parce qu'elle m'a filé un mouchoir en soie. Mais ça je sais plus si c'est arrivé en live. Enfin bref. Non même pas un mouchoir en soie, un morceau d'étoile. Enfin bref, elle m'a filé quelques bricoles. Mais sans plus. Donc la dernière fois, j'avais oublié de vous montrer, c'est vrai qu'on avait fait évoluer Evoli. Mais évidemment, je ne vous l'ai pas montré, c'est dans le Pokédex, les 3 évolutions. Si je les trouve, si je suis pas ici. Aquali, sa structure cellulaire est similaire à la composition moléculaire de l'eau. Une fois dans l'eau, il devient indétectable à l'œil nu. Voltali, s'il est irrité ou attaqué, toute la fourrure de son corps se dresse comme des aiguilles pour percer ses ennemis. Et Pyroli a une poche de feu à l'intérieur de son corps. Après une bonne inspiration, il est capable de recracher des flammes à 1700 degrés. Donc voilà tout le beau monde. Il nous en manque qu'un seul. Donc lui, au fait, je croyais personnellement que l'on pouvait faire la grotte azurée, donc qui contient, on va dire, le dernier Pokémon, une fois la ligue terminée. Mais ça, c'était dans la première version du jeu. Dans cette version-là, en fait, on ne peut pas tout de suite. Ils nous disent qu'il faut qu'on participe encore à un événement ou... faut qu'on montre ce qu'on veut, je sais plus, enfin quelque chose du genre quoi. En gros, il fallait faire la ligue et faire autre chose. Donc, on va continuer. Donc, d'après ce que j'ai compris, il faut battre des roquettes ou quoi, donc ça doit être ici. Mais moi, je pensais que c'était direct après la ligue parce qu'hors caméra, je suis juste allé voir un petit peu si je pouvais rentrer. Et ben non. Yoko entre les mots de passe. Ici, Girafari. Ici, Tarsal la star. La porte de l'entrepôt est ouverte. Trop cool. Hop, on a l'impression d'être dans l'arène de Jadiel et dans la... c'est dans la Sylph, je crois. Non, pas dans la Sylph, dans... comment ça s'appelle? Dans le casino. Le casino Rocket. Bon, on va pas s'embêter, hein. Moi je vais affronter tout le monde. Un améliorateur. Alors l'améliorateur, si je dis pas de bêtises, on le met sur un Porygon. Et en l'échangeant, ça doit être ça, et en échangeant Porygon avec l'améliorateur dessus, en fait, il évolue en Porygon 2 normalement. Oh, tes Pokémon sont balèzes, tu voudrais pas les vendre? Oh, tu veux te battre? Ouais, je les vends pas. Hein. Mais j'ai pris assez de temps à les entraîner. Malos! C'est quoi encore ça? Ah oui, juste! Ah, il est classe en plus, j'aime bien son évolution, lui. Alors Acide, oui, j'ai regardé hier vite fait, en fait Acide c'est fort face aux insectes, tout simplement. Bon, il se peut qu'entre deux vous me l'aurez dit dans les commentaires, je ne sais pas, je sais pas trop comment ça va se passer, parce que là j'ai tourné quelques épisodes d'avance. Pas tant que ça, mais enfin quelques-uns quand même quoi. Toujours un Malos. Y a pas une grosse défense d'ailleurs, parce que regardez ça, on le one shot presque. Oh merde ça, j'avais oublié que c'était un type feu. Un lantam. Oh putain, si on le rate là, on est mort. Oh yeah. Eh hey, mais c'est trop. Bah hein, ouais. On peut te faire un super prix si tu nous vends tes Pokémon, mais laisse-moi tranquille, je vais pas les vendre. Hyper potion. Ta-da-dum. Hop. Ouais, on va d'abord. Oh non merde, je pensais qu'on s'arrêterait, quel con. Bon, c'est pas grave, ça nous permet d'aller chercher l'objet là. Perle, cool. Un objet de plus.
ne dit rien d'autre. On peut te faire, ouais, blablabla. Laisse-moi tranquille. Alors, bah, je sais pas trop lequel on avait pris. J'ai pas fait attention. Merde, c'était celui-là, je parie. Bah oui, évidemment. Bon, on va prendre celui de gauche. Ah, dans ce genre de truc, si je fais pas attention, je vais être paumé en deux temps. Ok. Ah, on va aller là. On va tout de suite aller le chercher parce que... Grande perle, ok. Sinon, après, je vais l'oublier. Je préfère me retaper le chemin, mais au moins, rien oublier. Bon, alors, on se retape tout le chemin. Bon, là, ça va, c'est pas très dur. Hein. C'est juste qu'il faut faire un peu attention s'il y a des flèches partout. Et c'est vrai que tant qu'il n'y a pas un carré jaune pour nous stopper, on s'arrête pas. Donc là, on peut pas y aller. Là, on peut pas y aller. Là, je retournerai juste en bas, donc ça sert à rien. Là aussi, donc... Salut! Tu savais que c'était l'entrepôt Rocket en venant ici? Non, bah non, il y a que des mecs de la Team Rocket. Je me suis dit que c'était l'entrepôt des Barba Papa. Évidemment. Machoc! Bah, on va te couper ta gueule. Tiens, cadeau. Ah, c'est pas de bol. Bibs. Yes. Allez, Tam, il faut que tu passes le level 58. Hein. Encore un Machoc. Donc voilà, donc face au Pokémon insecte, c'est parfait, acide. Ah, c'est assez dommage pour toi. Raté. Donc là, je sais pas trop ce qui nous attend, en fait, au niveau des îles. Machoper, bon, on va laisser Tam, hein, elle va s'en sortir. Donc on verra bien un peu ce qui nous reste à faire. De toute façon, il me semble que sur les autres îles, il n'y a plus grand chose à faire. Sur la dernière île, donc c'est vrai que je n'ai pas été encore sur l'île 7, il me semble, pour visiter. On avait vu la tour des dresseurs. Ça, je le ferai peut-être plus tard quand j'aurai mes Pokémon bien entraînés, avec des stats à fond, entre guillemets. Parce que ça, j'avais déjà vu sur internet et c'est le même principe qu'un peu les autres tours. Qu'est-ce que tu crois faire? Ça prend le level, la Team Rocket perd, de quelle planète tu viens? Ça prend le level du meilleur de vos Pokémon, quoi. Donc là, en l'occurrence, je crois que c'est Lox, qui est 61, 62, ouais, c'est ça. Voilà, c'est total au pif. Ok, c'était pas le bon, fais chier. Ah, ça promet, si chaque étage est comme ça, on va se marrer. Bon, déjà, on doit pas prendre ça. Bon, celui-là, il nous ramène à la case départ. Celui-là aussi. Je sais plus lequel j'ai pris, là, fais chier. Bah écoute, je crois que c'est lui que j'ai pris en plus. Ah non. Donc attends. Parce que là, c'est le bordel. Je suis perdu. Donc si on prend celui-là au-dessus, on va atterrir là, qui nous mène là, tout en bas. Retour à case départ. Lui aussi. Attends, doucement Yoko. Hein. On s'emballe pas. Cool. Une fireball. Hein. Ah, elle est pédée, quoi. C'est trop fait exprès pour vous gaufrier. Ok, bon bah, tout ça pour un item. CT36, Bomberk. Téléphone, ouais, t'as raison. Hein. Comme je l'ai dit la dernière fois, manquerait plus que t'appelles les flics. Attendez, on va regarder si c'est... Non, rien du tout. Hop. Rien du tout. Vaut mieux vérifier parce que je vais pas venir 50 fois. Alors, le... Oh mon dieu, il m'affronte. Les autres m'ont déjà parlé de toi, mais quelqu'un comme toi ne peut pas connaître Giovanni. Bah si, justement. J'arrête pas de le rencontrer, de ce mec, et de le latter. Donc si vous pouvez lui demander d'être chef d'une... Je sais pas, d'une association caritative, ça m'arrangerait. Hein. Hypnomade, là par contre, on va peut-être pas laisser Tam. Ouais, non, surtout que je l'ai pas remis toute sa vie, ce serait un peu ballot. Qui est-ce que je mets? Je peux pas mettre Shiva, malheureusement. Face à MC, c'est pareil. Ouais, ben j'ai bien fait. Enfoiré.
Vas-y, mets-lui une droite. Bims. Oh, plus paralysie, parfait ça. Et un tonnerre, tiens, c'est cadeau. Oh, presque. Yes, quand même, elle a passé son level, c'est déjà ça. 3, 2, 2, 3, 2, ouais. C'est good. Hypnomade, encore une fois. Je vais mettre un plus costaud parce que Yu, je crois qu'il a pas une grosse défense SP. On va envoyer Ouro, hein. Vas-y, crame-le. Nickel. Oh, critique en plus. Ne te moque pas. Ne te mêle pas des affaires des adultes. Tu n'es pas de taille. Ah ben, ça se voit que je suis pas de taille. Tout à l'heure, je vous fous une branlée monstrueuse. Vous devriez tous être frustrés de vous faire latter par un gamin de 10 ans, mais bon, c'est pas grave. Vous allez peut-être finir par comprendre. Je me moque de savoir si ce que je fais est bien ou mal. J'obéis aveuglément aux ordres de Giovanni. Un pantin. C'est pratique, hein, pantin, hein, ça pose pas de questions. Gros tas de morts est envoyé par admin Team Rocket. C'est donc eux les fameux admins qui parlaient d'un trésor, là, le rubis qu'on a retrouvé. Enfin, qu'on a retrouvé. Qu'on a failli retrouver, mais qu'on s'est fait chourave sous notre nez. Ouais, ok. Ok, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, là, Canevan sera plus de taille, je pense. Bomberk. Je suppose que ça peut nous empoisonner. Ça empoisonne et ça fait supra mal en plus. Tiens, psycho dans ta gueule. Oh, on a même pas tué quoi. Et il nous ralentit, c'est pas grave. Ouais, par contre, je pense que. Hyper potion, ok, toi tu fais. T'es comme ça, toi. Un critique, ça serait gentil. Non, bien sûr que non. Ouais, non, là c'est trop tendu pour Canevan, je prends même pas le risque de tenter une seconde attaque parce qu'il suffit qu'il soit plus rapide ou je ne sais quoi. Pardon, et je me ferai one shot. Enfin, one shot. Je me ferai tuer. Putain, mais ça empoisonne un coup sûr cette connerie. Putain, la première fois que je galère autant sur un vieux gros tas de manf, quoi. Arbok, bah on va laisser Canevan, on verra bien ce qui se passe. Putain, ils sont costauds ces Pokémon quand même à lui. Enfin, elle, pardon. Décidément. Mais le poison, il enlève vachement. Putain, ils ont tous Bomberk quoi. Ça fait super mal. Je vais regarder un peu la puissance après. Putain, ça va être tendu. Ouais, nickel. Rafflesia. C'est cool ça, on va pouvoir envoyer Ouro. Parce que la canne, ça devient tendu. Vas-y, burn-le. Logiquement, ça devrait être du one-shot. Yep, en plus coup critique. Je suis à bout de force. Non, c'était Pokémon qui sont à bout de force, pas toi. Il faut toujours agir selon sa conscience. Je comprends maintenant. Je viens de faire en sorte que tu puisses repasser par ici. Pourquoi n'irais-tu pas te reposer un peu avant de continuer? L'admin juste après moi, juste après, est un bien meilleur dresseur que moi. Tu dois t'attendre à un combat très difficile. Ah bon? C'est gentil de prévenir. Bon, on va se soigner alors. Hein. On va pas y aller comme un porc. Hop. La guérison, ça intéresse personne.
Hop, super potion. Voilà, bon, une deuxième pour toi. Alors, bah même pas peur, moi je mets Lux en premier, vu que c'est le level le plus élevé. Et on va y aller comme ça, donner. Genre on a peur d'un sale dresseur quoi. Faut arrêter les conneries quoi. Et non, j'ai ma fierté, je retournerai pas me soigner. Hors de question. Ah là, attends, je vais te reparler. Ouais, blablabla. Ah d'accord, ok, elle a inversé les aiguilles, les machins. Bonne idée. Ah merde, on peut pas passer. Nous en avons assez que tu viennes gêner nos plans. Faire courir la rumeur que la Team Rocket a été démantelée. Il est évident que tu cherches à semer la confusion dans nos rangs. Mais nous ne sommes pas stupides au point de croire ces mensonges. Je vais te montrer pourquoi il ne faut pas se mêler de nos affaires. Admin Team Rocket, Nosferalto. Ouh yeah! Level 53, ça va. J'ai bien fait. Laser glace, ça devrait le démembrer. Allez, tiens, retourne hiberner. Yep. Smogogo, Smogogo, on va lui filer. Où es-tu, Can? Tout en bas, Can. Bon, on va tenter de le latter en deux coups, en espérant que Psycho lui enlève assez de vie. Normalement, il a moins de défense que Grotan Mort. Oh! Que demander de plus? Bims. Démolos. Alors, Démolos, c'est un feu ténèbres. Donc, ce sera Lux. Parce que le Psy face aux ténèbres, ça sert à rien, il me semble. Donc tu veux te battre. Bah ok. Oh non, Lox, fallait pas rater ça. Oh t'as chié, en plus c'est très efficace le feu, bordel. Ah non. Il fait mal quand même. Deux fois, mais Lox. Il va nous tuer ce con. Hein. Et ouais, on crame en plus, bah oui, bah, bien sûr. C'est d'une logique imparable. Putain, mais il fait supra mal quoi. Non mais là les Pokémon ça va pas, hein. Si vous commencez à me laisser tomber dans des moments pareils, on va pas s'en sortir. Deuxième guérison que j'utilise face à un membre de la Team Rocket quoi. OMG. Faut autre chose. Bah non, lance-flamme. En plus il en a 15 donc... Ok, hydrocanon. Ah, quand même. J'aurais dû faire surf mais non, je voulais le latter avec une belle attaque. Urg, comment as-tu pu? C'est le badge de Giovanni. Alors c'est vrai, la Team Rocket a vraiment été démantelée. Nous allons quitter cet entrepôt, mais ne crois pas que tout soit fini. Je vais trouver Giovanni et je vais faire renaître la Team Rocket. On se reverra. Des graphiques et du texte. Influence des ondes magnétiques sur l'évolution des Pokémon. C'est trop compliqué. Blabla, salut toi. J'avais presque réussi à vendre le saphir pour une très belle somme, et il fallait que tu arrives et viennes gâcher mon affaire. Pas de pitié pour toi. Alors, Gédéon, Voltorb. Moi j'ai eu peur pendant une seconde, j'ai cru qu'ils étaient hyper balèzes. Même pas. Électrode, qu'est-ce que je vais envoyer? Bah, Tam, hop. Acide. Ah, ça devrait pas nous faire grand-chose. Nope. Vous allez voir qu'il va réussir à nous paralyser. Je le sens. Ah non. Oh, pour une fois, j'étais mauvaise langue, tiens. Porygon. Porygon, ça va être pour Shiva. Puisque c'est un type normal.
Ouais, ok. Donc vous voyez, ça calque notre spécialité, quoi. Bon, je tiens, il y a longtemps. Bims, on te coupe la tête, direct. Magnéti, je pense que je peux laisser Shiva normalement, ce sera très efficace vu que c'est de l'acier, je crois. Mais je suis plus sûr de ma connerie. Ouais, c'est bon. Magnéton, bah, pareil, on va laisser Shiva. Vas-y, une balayette. Bims. Non, non, et non. Eh bien si. Si je ne peux pas le vendre, il ne me sert plus à rien. Prends-le. Ah bah c'est sûr que t'aurais pu le vendre qu'à la Team Rocket, tiens. Quoi encore? Va-t'en, laisse-moi. Ok. Pas besoin d'être désagréable comme ça. Hein. Alors, Memory Dex. Ouh, on a tout le monde pour chaîne, cool. Ouais, on a que deux personnes. Presque, 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 presque. Oula, non. Nope, nope. Ah, plus qu'une. Peter, c'est seulement lui qui parle de lui en fait. Bon, en tout cas, on en a fini avec cet entrepôt. Hop, on se barre. Bon, je vérifie juste qu'il n'y avait pas un événement qui se déclenchait ou quoi. On va pouvoir s'envoler. C'est quoi ici? Le 4. Ouais, ici on est déjà venu aussi. Camp de vacances, par contre, j'ai pas souvenir d'avoir trouvé le camp de vacances, si. Ou alors c'était là où il y avait Témis, peut-être. Je ne sais plus. Il me semble que si, puisqu'on allait tout au bout. Bah, c'est pas grave, au pire, je repasserai. De toute façon, on n'a pas encore terminé. À bientôt. Non, c'est pas le PC de Lyoko que je voulais faire. PC de Lyoko, voilà. Stockage, déposons. Parce que là, il y a trop d'objets sur nous. En sandou. Super bonbon. X2. Morceau étoile, mouchoir en... Fuck. PV plus, on peut le déposer. Perle, on peut. Grande perle, on peut aussi. Donc ces trucs-là, on peut pas. Qu'est-ce que je peux enlever? Je pourrais vendre les pépites ou quoi, mais... Bon, à la limite, je peux déjà retirer ça. Mais quoique, si je suis malin, je vais aller tout en bas. Alors, blablabla, baisse un peu la précision de l'ennemi. C'est vrai que ça pourrait être utile. On n'a pas d'attaque acier donc Osef. Ça, je vais le donner à Lox. Ah, mais je peux pas. Attendez, on va se concentrer un petit peu. Voilà, on dégage. Quoique, non. De toute façon, c'est pas que ça sert à rien. Ça doit certainement grave augmenter les dégâts, mais... c'est con, hein, un objet près. Et on peut vraiment rien retirer. Parce que ça, c'est pas ça, je vais les prendre après, ça, mais... Ouais, non, c'est pas grave, on va rester avec un objet de plus. Ils auraient quand même pu agrandir la limite, parce que j'ai soigné tout le monde. Il semblerait que oui. Je ne sais plus sur quelle île se trouvait le monsieur. Bah, sur l'île 1, tout simplement. Allez, ho! Salut! Ah, direct, même pas de phrase, rien du tout. Voilà la pierre qui va pair avec le rubis. Yoko, tu as dû te donner du mal pour l'obtenir, n'est-ce pas? Ne dis rien, je sais que ça a dû être difficile. Merci énormément. À mon tour de te rendre service, donne-moi juste un instant.
Ok, c'est bon. J'ai réussi, je me suis connecté avec Annette. Yoko, Yoko, j'ai réussi. J'ai réussi à me connecter avec les dresseurs de ON. Ma machine est complètement opérationnelle. Yoko, tout ça c'est grâce à toi. Merci, mes rêves se sont enfin réalisés. C'est tout? J'en ai les larmes aux yeux. En tout cas, je te souhaite de réussir dans ta quête de Pokémon exotique. Bonne chance, Yoko. Putain, je me casse les couilles juste pour ça. Kanto ON, ok. Ok, c'est bon, ta gueule. Ah, tu m'as frustré là, tout ça pour un échange quoi. Bon, c'est pas ça, c'est pratique. T'aurais pu me filer, je sais pas, un objet cool, libérer un accès vers une zone encore plus cool, je sais pas. Bon, bah il semblerait qu'on avait. Qu'est-ce que je fais? Qu'on avait quasiment tout visité sauf l'île 7, je crois. Autre île 7. Yeehaw! Alors, ouais, on n'était pas venu ici. L'île de l'infinité. Salut, ces îles ont été conservées dans leur état naturel. Ça rend les excursions un peu plus difficiles que la normale. On appelle ces sept îles les îles Séville, mais je sais pas pourquoi. En tout cas, c'est plein de jeunes ici. À ce qu'on raconte, elles auraient été créées en 7 jours. Alors. SE, je sais pas ce que ça veut dire, mais VII, pour moi, c'est le 7, non? Enfin, je sais pas, il y a peut-être une Séville, et peut-être dire 7 dans une autre langue, hein, j'en sais rien. Je sais que c'est dur à croire, mais quand j'étais plus jeune, j'adorais être sur la route pour affronter tous les dresseurs que je pouvais rencontrer. Maintenant, ma seule source de distraction est de me rappeler du passé en regardant des combats. Et ils sont où tes Pokémon? Ne me dis pas qu'ils sont morts? Oh, il y a du monde ici. Ok, je suis enfin prêt pour partir explorer les ruines. Ah, il y a des ruines, cool. Les Pokémon ont leur propre personnalité comme les gens. Mon Pikachu est pressé, c'est un Pokémon très rapide. Ou une orange. Il ne me reste plus qu'à aller pêcher sur l'île 7, comme ça je les aurai tous explorés au moins une fois. Mais je devrais quand même mettre des Pokéballs de côté. C'est une bonne idée. Bon, toi je suppose que t'as rien de mieux à m'offrir. Ah non, tout est le même. J'ai même pas vu mon argent. Tout est pareil. Oh putain, quand même. Elle a dépassé les 300 000 balles, quoi. Alors, on va aller vérifier en haut s'il y a rien. Ouais, y a un chemin. Tour dresseur, donc ça on ira plus tard. Salut. Il n'y a pas beaucoup de monde qui passe dans le coin. Si je m'entraîne là, je deviendrai de plus en plus fort, c'est sûr. Ouais, de plus en plus fort. Ça te dirait d'apprendre cette capacité, c'est dans Slam. Non. Bah tant pis. Alors dans Slam, ça augmente à chaque tour normalement les l'attaque. Alors encore une fois, on se fait emmerder par des dresseurs. Alors, qui va-t-on mettre? Bah Shiva, il y a longtemps qu'on t'a pas mis en tête. Hop. Non, pièce ruine, pas multi-exp. Salut. Yaha! Je vais te battre sans effort. Un vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, il me semble. Aromamia. Putain, j'aurais vous en fait une feinte. Joli fleur. Ah, il est mignon, celui-là. Obligé de faire force parce qu'il me semble que combat face à plante, ça fait pas grand-chose. Feuille magique, je connais pas par contre. Il me semble qu'on l'a déjà vu. Mais je connais toujours pas. Et je sais toujours pas ce que ça fait. Ça baisse quoi? Oh, ça baisse l'esquive, c'est pas grave. Je pense qu'ils sont déjà un peu plus costauds les mecs par ici. Level 50. Encore jolie flore. Bon, là par contre, on va pas être galant deux fois de suite. On va envoyer directement Ouro pour cramer tout ça. Alors, le joli flore, c'est à partir d'un ortide normalement, mais avec une pierre soleil. Si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est en échange. Je sais plus. Je sais plus s'il faut les. Normalement, il faut pas l'échanger, il me semble. C'est pas assez forte. Comment? Mes actes ne collent pas avec mon look? Hey, ça fait partie de ma stratégie. C'est pas bête. J'avoue qu'on se méfie moins de toi, vu que t'es toute mimi avec ta jupette, là. Bon, Osef, hein, les combats. Salut, je parie que t'as un dresseur. Ouais, j'avais fait ça. Hello, t'es membre de mon fan club? Nope. Jongleur Bruno m'envoie un Voltorb. Hop, force. D'ailleurs, il faudrait qu'on aille voir notre fan, enfin notre le fan club de Safrania, il me semble.
voir un petit peu si on fait partie du fan club maintenant. Ça pourrait être marrant, on a quand même laté la ligue, laté la Team Rocket une nouvelle fois. Pomme de pique. Non, on va te laisser, je sais pas trop ce que c'est. On verra bien. Oh, on dirait un gros caillou en forme de pomme de pin. Ouais, non, c'est pas un caillou. Patience, ok, ben tu sais quoi, je vais te niquer ta patience. Hein. Je regarde le let's play avec Shiva, donc patience, j'ai bien eu le temps de voir ce qu'elle faisait. Hein. Donc va te faire voir. Vas-y, concentre-toi, donne tout ce que t'as. Je peux rien utiliser. Non. Y'a personne qui a besoin de vie? Toc. Parce que là, le truc, c'est que si je l'attaque tel quel. Je vais envoyer Lox. Parce que si je l'attaque tel quel, il va me remballer. Je crois qu'il nous rend l'appareil ou qu'il nous rend fois double ce qu'on lui a donné. Mais du coup, si on tape pas, il se passe rien. Cascade, vas-y. Bon, c'est pas un type plan, c'est tout ce que je peux dire. Pomme de pique. Bon, on va garder Lox qui a l'air de s'en sortir haut la main. Non, tu ne dois pas être fan. Bon, je peux y remédier, je vais te changer quelque chose. Non. Là, 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 quand j'envoie mes Pokémon, les filles se mettent à crier. Bah, tu m'étonnes. Puis si tu chantes derrière. Ok, il n'y a pas d'objet par ici. Il y a vraiment du monde. Hein. Cette île est trop étendue. C'est difficile d'aller partout. Ouais, ben ouais. Je confirme. On dirait Mario. Boostiflore. T'as mine de rien, les mecs, ils ont quand même des Pokémon de plus en plus costauds. Tiens, ça t'apprendra. Faut quand même que je m'entraîne un petit peu par la suite. Ah, presque. Ampiflore. Bon, là, par contre, on va envoyer... Ouro. Il va aller désherber tout ça. Eh, tiens, laisse-moi tranquille, maintenant. Bims. Oh oh, on dirait Rainman. Les dresseurs de la ville comme toi, ils sont tous aussi forts? Tu te diriges vers la tour, non? Non. Je punis les gens qui font du mal aux Pokémon. Moi aussi. Montons une association. Appelons ça la SPP. Voilà, Ortie des Rafflesia, toi, c'est ça? Oh non, au fond, j'aime pas le poison. Bims. Oh putain, mais la blague quoi. Ah non, fleur, on aurait dû la prendre quand même. C'est vrai qu'elle est vraiment pratique. Enfin, belle en tout cas comme attaque. Putain, elle fait vachement mal en plus. Non. Ah si j'avais su. Rafflesia, comme j'avais annoncé. Ouro. Et hop, un level de plus pour Ouro aussi. Tu ne sembles pas être du genre à créer des problèmes. Non, je les résume. Si tu traites tes Pokémon avec gentillesse, ils le sentiront. C'est cool. Bon, on va soigner le pauvre Shiva là, qui en a pris plein la gueule. Hop. Total soin.
Alors, qu'est-ce que c'est par ici? Entrée du canyon, c'est sort. Évitez de piétiner les plans du canyon. Ok, on va vérifier la carte. Putain, je fais n'importe quoi. Carte. Ok, donc jusqu'ici, c'est pas trop. Ouais, j'ai donc l'impression qu'à gauche, y a rien, quoi. Donc je peux aller d'abord à gauche. Ouais, c'est ça. Putain, mais laissez-moi tranquille. Un rapace de pique, en plus. Oh, mais... Un piaf à bec. On peut surfer? Non, on peut pas, donc c'est cool. Pas d'objet? Mais non, je veux pas surfer. Avant de parler aux deux mormons qui vont m'affronter. Avec Eve, je me sens invincible. J'ai pas vu son nom, merde. J'ai pas fait gaffe à Adam. Ah non, mais ils sont pas trop, ils auraient dû les appeler Adam et Eve. Ok. Bon, on a Nubiu. Alors, toi, on va utiliser Coucroix sur le Psychoquack et toi, Tonnerre sur la Quack. Bims. Bims, aussi, one shot, dégage. La défaite ne compte pas tant que je suis avec elle. Oh. T'es trop mignon. C'est cool, et toi? On va s'entraîner plus. Ouais. Toi, t'as pas envie de perdre, toi. Ouais, pas un objet, là. Non, bon, c'est pas grave. Un fouinette, ça alors. Hop. Donc, évitons de marcher sur les fleurs. Canyon, c'est ça. Décidément, j'ai l'impression qu'on va jamais réussir à finir ce truc, quoi. C'est dingue, j'ai l'impression que plus on avance, plus on a. Enfin, c'est la dernière île, donc bon, on devrait pas être emmerdé trop longtemps, mais quand même. Paul, avec Nia, on ne connaît pas la défaite. Bon, bah, je vais vous l'apprendre, hein. Il faut expérimenter au moins une fois. Couple cool, Paul et Nia, yeah. Écremeu et Tauros. Vous avez pas de chance, hein. Bon. Alors, il me semble qu'Écremeu a beaucoup de vie. Ouais, c'est pas grave, intimidation de Tauros. C'est génial, hop. Donc, on va balancer Coucroix dessus, et derrière, on va balancer un... Oh, un éclatroc sur Tauros. Logiquement, ça devrait la one-shot. Ah, oh, même pas, j'aurais dû balancer éclatroc dessus. Ah ouais, j'aurais vraiment dû. Bon, c'est pas grave, ça a baissé sa défense. Cool. Ah merde, pas cool. Bon. Point karaté, ben toi, éclatroc, on verra bien si t'arrives à passer le salope. Désolé, ça m'a échappé, mais là, merde, quoi. Ok, c'est bon. Bon, Yu, tu déconnes pas, s'il te plaît. Merci. Je savais qu'on pouvait te faire confiance. Et continue de baisser sa défense, c'est une bonne chose. Putain! Bon, attends, l'autre, on va le calmer dans son élan, là, parce que... Tiens, non mais oh. Je pense pas que ça passe une seconde fois. Ah non, je m'en doutais un peu. Ah, vous avez... Voilà, je m'en doutais, je m'en rappelais de cette attaque de merde, là. On lui passera toute sa vie, faut rien que ça. Bon, Coucroix, et toi, éclatroc, on verra bien si t'es encore confus. Yes! Bim! Oh putain, j'y crois pas!
Putain, mais elle me fait chier l'autre là, à balancer des guérisons à tour de bras quoi. Tiens, balayage, vu que t'es grosse. C'est bien, baisse sa défense, c'est une bonne chose. Ah là, nickel. Et bah quand même. Elle nous en aura fait bien galérer quand même. Hein. Et Nubiu gagne un niveau. Fatal Foudre. Donc ça, on va la prendre par contre, oui. Parce que c'est trop cool. Donc déjà, Tonnerre, c'est puissant. Point éclair, c'est un peu moins puissant, mais ça peut paralyser. Et Éclatroc, je peux pas m'en séparer de toute façon. Fatal Foudre, c'est très 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 puissant, mais c'est un peu moins précis. C'est pas grave pour Météor, même si Météor ça ne peut pas rater. J'aurais dû être plus prudent. En effet. Je crois que c'était une bonne expérience pour Nia. J'ai encore besoin de passer beaucoup de temps à m'entraîner. Dis-moi Paul, tu ne m'en veux pas trop? Oh, je suis sûr qu'il ne t'en veut pas. Son amour pour toi est tellement grand. Hop, on accélère la guérison par Skozef. Voilà. Alors, il y a encore du monde par ici. Pépite, une de plus, cool. Ok, donc là, il n'y a que des Pokémon, c'est ça. Oh, il y a une grotte. C'est quoi? Ah, j'hésite. Hein. Voilà, on va visiter la grotte, tant pis. Je le sens que je vais le regretter tout de suite, mais... Ah, j'ai encore entendu un cri. Ah bah, on avait entendu justement le cri du Miaou, c'est trop drôle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Grottanobi. Attendez, là, je suis déjà perdu. Ah bah non, c'est bon. Vas-y, Shiba. Ah, y'a. Faut pas vouloir aller trop vite, à mon avis, sinon on peut recommencer. Je sais pas si c'est une énigme, mais en tout cas, ça a pas l'air très difficile. Ah, je me suis fait baiser, c'est ça? Ouais, je me suis fait baiser. Attendez. Ouais, je me suis fait baiser, c'est bon, faut que je ressorte. On va aller visiter la suite avant. J'ai l'impression que là ça va me débloquer encore un passage dans un passage dans un passage. On va encore une fois pas s'en sortir. Bon. Oh, un Fampi. Ça on l'a pas. On va envoyer Canevan. Hop, j'accélère un coup. Flair, je sais pas ce que ça fait. Hypnose. Yes, c'est passé tout de suite. Hyperball. Oh non, j'y crois pas. Bon, c'est pas grave. Mais tu vas bien accepter de te faire capturer, mais pas grave. Mon Canevan, s'il te plaît. Il veut pas, hein. Hop. Bon, je vais pas gaspiller toutes mes hyper avec toi. Hein. Ok, va te faire foutre. Donc ouais, j'accélérais parce que ça me broute un peu, jeter des Pokéballs en boucle. Voilà, c'est bien, tu m'as identifié. On va tenter la Dracorage. J'espère que t'as au moins 41 PV. Voilà, nique ta race. Logiquement, là, ça devrait mieux passer. Tiens, DTC, j'ai envie de dire. Fampi, il se cogne sur celui ou celle qu'il apprécie, mais il est si fort qu'il fait souvent mal à ceux qu'il aime. Oh mon dieu.
J'ai pas rêvé, c'était 36 ou 86 le poids. Si c'était 86, la vache, c'est du concentré quoi. Même si tu as les Pokémon les plus puissants, ça ne m'impressionne pas. Ça ne sert à rien si tu ne sais pas les utiliser correctement. La fameuse phrase, hein, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Il y a droit à toutes les sauces. Sablero. Alors je crois pas que Sablero soit faible spécialement à point karaté. Non. Pas grave. S'il te plaît, résiste au venin. Merci. Ursaring, ah, le fameux Léo de la dernière fois. Je crois que vu son poids, le balayage, ça devrait faire son petit effet. Ouais. Excellent, ben écoute, c'était spécialement pour Shiva. Beams. Oh, presque. Je suis impressionné. Tous les jours, on croise des dresseurs qui ne savent pas utiliser leurs Pokémon. Avant de s'occuper de leurs Pokémon, les dresseurs devraient d'abord mûrir un peu. Hein? C'est pas faux, hein? C'est comme les gens qui font des enfants. Il y en a, ils devraient pas. Ah, un objet. Max Elixir, on va pouvoir le stocker, ça c'est cool. Et mince. Un Miaouss. J'ai envie de dire Osef. Allez, viens ici toi. S'entraîner seul à de bon côté, mais il faut aussi quelquefois affronter des adversaires, même Aldo. Avant, il s'entraînait avec un gars qui s'appelle Bastien. Ok. Comment je vous esquive? Putain, mais il y a des gens partout. Et il n'y a pas de fin, ce truc. Elles en jettent, tes chaussures. Ouais, c'est tout nouveau modèle, chaussures Sport 3000. Kathleen m'envoie... Oh, le Vénard, t'as pas de chance non plus, toi, décidément. Bon, le Vénard a beaucoup de vie, par contre. Donc on va d'abord faire un point karaté qui devrait pas le tuer. Oh, ok, ça l'a tué. Putain, quasiment 3000 XP, quoi. Noob, ton apparence est trompeuse. Tu es bien plus balèze qu'il n'y paraît. C'est ta mère qui a acheté ces chaussures de sport? Je suis sûr qu'elle doit adorer. Qu'elle doit t'adorer. Mon boulot, c'est de protéger l'environnement. En retour, la nature me protège. Je suis un enfant de la forêt. Michael, sac de nœuds. Alors, sac de nœuds, il va pas ressentir grand chose avec les attaques combat. On va balancer force. Putain. Il fait mal ce con. Vas-y, Ouro, va le cramer. Alors, je me souviens, si je dis pas de conneries, dans la première version, donc rouge et bleu chez nous. Un sac de nœuds, même si c'est un type plante, les attaques feu, ça faisait juste une attaque normale, normalement, si je dis pas de conneries. Parce qu'il me semble que ça me choquait, ça, quand j'étais petit sur ma cartouche, que je balançais des lance-flammes et il prenait pas des dégâts super efficaces. Faudrait que je reteste, en fait, pour vérifier. Naneuf. On va laisser Ouro, hein, qui a l'air de bien s'en tirer. Allez, tiens. Des œufs cuits durs. Et noix de coco, ça c'était sûr à 100%. Ouah, tu plaisantais pas. Tu voudrais pas me protéger? Non. Je ne protège que mes Pokémon. Vu des étoiles, la planète n'est pas plus grosse qu'une larme, mais nous la protégeons pour que tout le monde en profite. Ils sont plein de bonne volonté dans ce Pokémon. Hein. Ouais, bon, je vais aller la latter tout de suite, ça va me saouler sinon. Je suis au top de ma forme.
Alors, fille, baston, Sandrine, colossinge. Combat de colossinge. Bon, nous on a pris quelques dégâts, mais c'est pas grave. Aïe! Aïe 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 aïe. Aïe, crève. On est trop fort pour toi. Capoeira, on l'a pas encore. Il faudrait que je teste de faire un petit avec un Tainion, un Kikli, voir un peu ce que ça donne. Tu vois. Pour le prochain épisode, j'aurai essayé, vous verrez si j'ai réussi ou pas. On va envoyer. Kanevan, tiens. Il est level 60. Enfin que. Il est level 60. Putain, comment tu peux avoir peur d'un petit machin qui est sur la tête à l'envers? Tiens, mange. Match Chopper. Il faudrait vérifier parce que je sais que pour avoir un cap, ce sera pas un capoeira qu'on aura, il me semble. Non, ce sera un débugant si je fais un petit avec un Tainion et un Kikli. Et normalement, donc débugant, pour qu'il évolue, il faut que lorsqu'il passe un level, il y ait des statistiques spéciales, genre hein, quelque chose n'est pas normal. Genre si l'attaque est au-dessus de la défense, ce sera un Tainion, si c'est la défense au-dessus, c'est le Kikli, et si c'est égal, ce sera capoeira. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Évite, évite. Ok, je peux pas passer. Bon. Coup de tête. Oh, pitié. Un gravalanche en plus. Putain, c'est un fameux caillou. Mais je suis désolé, on t'a déjà. Et je vais soigner. Shiva en même temps. Putain, je suis en train de mettre un bon coup dans mes hyper potions là. Il va falloir que j'en rachète. C'est juste. Et un dernier. Tout ça pour une roche royale. Roche royale, donc ça, oui, je m'en rappelle. Alors, la roche royale, si je la donne à un Flagados et que je l'échange, il va évoluer en roi Gados, un truc comme ça. Oh non, en roi Gada ou. Merde. Quelque chose comme ça, quoi. C'est comme Hypocéan, si je lui donne la pierre royale et que je l'échange, il deviendra Hypo-roi. Ça tente un petit combat. Allez, c'est parti. Normalement, c'est ça. Évidemment, j'ai qu'une pierre pour deux Pokémon. Ça va être compliqué. Rhinophéros. T'as pas de chance, j'ai laissé Shiva. Donc. Beams. Eh ouais, t'es trop gros. Flagados, ce sera pour Nubiu. On va tenter notre Fatal Foudre, tiens. Même si ça a que 70% de chance de fonctionner. Tiens. C'est bon, le one shot. Yep. Ursaring, on va renvoyer Shiva. Vas-y, tu peux le latter aussi. Kangourex, on va laisser Shiva. Bon, on va spammer le balayage, tiens, on verra bien ce que ça fait. Putain, en plus, le coup, il part pile sur le petit, quoi. Yes, un level de plus, level 60. Il gagne vraiment beaucoup en vitesse, la Shiva, c'est bon. Match Chopper, ben, Match Chopper, on va envoyer Kanevan. Oh mais quel con. Je voulais faire psycho, ouais, c'est pas grave. Je
Je me suis trompé. Non, presque. Je le savais, on sent ta force juste en t'observant. Ouais, j'ai une aura comme les Super Saiyan. La façon dont tu combats m'a donné plein d'idées, merci beaucoup. Bah de rien, ça fera 5000 Pokédollars. Alors, qu'est-ce donc ici? Oh, il y a un objet. Danse, danse, danse le Vénard. Tu te joins à nous? Allez, danse, danse. Tu veux danser? Allez, vas-y, danse. Ouais, la danse du Levénard. Yeah. Ah 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 ah, je suis content que ça te plaise. C'est ça, on est tous soignés. Trop cool. Levénard, levé. C'est quoi ça? Point chance. Cool. Moi je pense, je vole les objets chez les gens et ça les choque pas. Point chance, monte le taux de critique de Levénard, d'accord. Ok, bon ben, on se casse, hein. C'était gentil de me soigner. J'ai reçu la meilleure éducation possible pour devenir aussi forte. Je ne peux pas perdre, je ne peux perdre contre personne. Ils n'ont pas marre d'avoir tort. Michel m'envoie persian. Mais c'est vrai que la route est vachement longue quand même, hein. C'est un truc de dingue. Désolé Persian. Galopob, ça ce sera pour Loxlou. Il est ici, hop. Je suis désolé mais... Tu vas être KO. Fenard, ben pareil, décidément. Toi aussi, tu vas te faire défoncer la tronche. Beams. Oh, presque. Lamantine. Alors, Lamantine, on va envoyer Nubiou. Tonnerre, ça suffira. Fatal Foudre, on va pas le spammer non plus. Logiquement, ça devrait suffire. Ouais. Et Girafarig. Alors, Girafarig, il me semble que c'est un psy. Bon, on va laisser Shiva. Nubiu. J'ai dû voir un combat il n'y a pas longtemps avec lui parce que il n'y a rien qui me dit que c'est un psy. Je me souviens plus trop mais il me semble que oui. Bon bah on ne le saura pas. Beams, merci, je me sens libéré d'avoir perdu contre toi. Content de te rendre service, écoute. J'ai plutôt tendance à m'énerver facilement, je vais respirer profondément pour me calmer. C'est bien, apprends à te détendre. Bon, on est où ici? Canyon, c'est ça. Ruine Tanobi, droit devant. Ok. Ok, cool. Chambre Jon 4. Ok. Mais sinon, il n'y a que dalle. Encore un mec, bon. Je vous aime bien les gars, mais j'en ai un peu marre de vous affronter tous les 3 secondes. Ah, tu ne saurais pas quelque chose sur cette grotte par hasard? Je suis un peu en train de la découvrir moi aussi, donc non, je ne sais rien. Navré. Florent, le ruine maniaque. Ah, Shiva, ton grand rival. Beams. Je ne m'y attendais pas, mais tu aurais pu y aller plus doucement. Bah attends, c'est un peu toi qui m'agresse, papy. Hein. Les ruines Tanobi sont vieilles d'au moins 1500 ans, mais personne ne sait à quoi elles pourraient servir.
IB5, ok. Je sais pas jusqu'à combien ça va, mais... En tout cas, il n'y a rien du tout. On va spammer s'il n'y a pas un objet. Ouais, donc je suppose que c'était au truc que je devais faire au début que j'ai pas fait. Hein. Ça ressemble aux ruines. Ouais, vous savez quoi, on va retourner. Hop, là, là, là. Mais non, je voulais pas faire ça. Tant pis. Oh putain, des onyx. Bon, on va retourner là discretos. Hein. C'est pas très loin. Ah ben. Ouais, c'est ça. Racaillou. Voilà. Alors attendez, comment je peux faire? Comme ça? Je suis paumé là, du coup, je sais pas trop comment faire. J'ai une idée. On va la jouer sécurité. Attends. Je suis en train de faire n'importe quoi là, attends. C'est bon. C'était pas très difficile. Je suppose qu'il va nous dire qu'on a entendu un bruit au fond. Un grondement mystérieux se fait entendre au loin. Ok. C'est pas par ici en tout cas. On va quand même aller jeter un œil. Vas-y, latte-le, il m'énerve. En accéléré parce que j'ai peur de rien. Hop. Yaha. Laisse-moi passer toi. Oh les combats, ça commence à me... Laissez-moi passer, je veux voir ce que j'ai libéré. Ok. Oui, alors d'abord à la droite, puisqu'on était à 4 et 5, je suppose qu'il doit avoir 3, 2, 1 ici quelque part. Chambre proie, ok. Ouais, et ce sont des orbis, je parie. Oui, des orbis. Je vais pas le faire maintenant, parce que ça, je vais libérer une boîte juste pour eux. Pardon, je vais libérer une boîte juste pour eux. Ok, c'est bon, on a compris. Donc ok, c'était juste ça, libérer des arbis. Ok, donc je vais libérer une boîte. Et je reviendrai par ici, donc chercher après nos amis les arbis. On va latter tout le monde. Je prends des cours avec Xavier pour apprendre à peindre. Ok, donc là je vais finir de battre tout le monde. Parce qu'à mon avis, il ne doit plus rien avoir après. Et je viendrai capturer moi-même les arbis. Parce que bon, si c'est comme dans Pokémon Argent, Or et Cristal, il doit avoir 3000... Enfin, 3000... 28 arbis différents, donc... enfin, 26 plus... je crois qu'il y a des signes en plus. Donc... Chut, on devrait faire moins de bruit ici. J'arrête pas de te le dire. Comme je voulais peindre un vieil immeuble, Xavier m'a amené ici. On est venu ici aujourd'hui pour les travaux pratiques. Ok, donc toi tu es Xavier. Gentleman Xavier. Gentleman, ce qui est bien, c'est qu'il file beaucoup de thunes. Ah, j'aurais cru que ça t'aurait laté. Oh non!
Aquaquack. On peut utiliser Tam. Beams. Quel talent. Merci. Oh, alors tu utilises les Pokémon de ton côté. Tu dois vraiment être quelqu'un de très intéressant, je pense. C'est gentil, merci. Il n'y a personne. Hein. On va regarder, ça va être la chambre 2 quelque chose. 2 lip. Ok. Oh, elle est mieux celle-là. Il n'y a rien nulle part. Non. On raconte qu'un Pokémon mystique se repose ici. Ah bon. Ruine maniaque Benjamin, Racaillou. Ok. Gravalanche, et bien t'auras droit à un coup de latte dans la gueule. Bims. Et Gravalanche encore, et bien t'auras droit à la même chose que ton petit frère. Un coup de latte. Je ne suis pas vraiment doué pour le combat. Ben, ni pour les recherches, vu que t'as galéré à faire un puzzle que j'ai fait en 5 minutes. J'ai entendu dire qu'il y aurait d'autres ruines. Se pourrait-il que d'autres Pokémon mystiques s'y reposent? Chambre Anémune. Ouais, donc en gros, ils nous disent qu'il y a plein de Zarbis différents un peu partout. Mais ça, j'ai envie de dire, on le savait déjà. Donc, blablabla. Mais non. Ok, 3. Un tentacool level 5. D'espoir. Putain, je le fais exprès. Hein. Alors, lui, on l'a laté. Et la sixième. Ah, il y en a deux ici, tiens. Irix. Ouais, bon, bref, hein, je vais pas à chaque fois aller au fond, puisqu'au final, il y a que dalle. Et point 7, bon ben, rien de nouveau sous les tropiques. Donc ben, on va s'arrêter là, ça fait déjà quand même plus d'une heure de toute façon. Donc je capturerai les Arbis à part, hein, j'irai libérer une boîte et je reviendrai jusqu'ici. Comme ça, ben, je ferai une boîte spéciale. Spécialement pour eux. Je vais d'ailleurs aller comme ça pouvoir aller racheter, ben, je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Aller racheter des hyperballs parce que là ça va pas être possible. Ouais, c'est ça, on est allé jusque là. Hop. Donc, premièrement, on va aller stocker les objets. PC Dioco. Voilà, ça, on peut les stocker sans souci. Hop. Je vais profiter que je suis sur ma lancée, que j'oublie pas, pour aller acheter des hyper potions et des hyper balls, parce que ça, on va en avoir besoin. On est bientôt à 400 000. Enfin, on était bientôt à 400 000. Voilà, on a 80 balls. Je pense que c'est suffisant. Voilà, 50.
Ça aussi, ça devrait faire l'affaire. Hop, et on perd pas les bonnes habitudes, je vais aller sauvegarder par ici. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc la prochaine fois, on ira voir un peu la tour de Redresseur, même si je vais pas la faire maintenant. Et logiquement, la caverne azurée sera libérée, donc on ira jeter un coup d'œil là-bas. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis eh bien à la prochaine pour la suite de ce Let's Play. Bye!